Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. Je suis partie faire des courses. Je passe prendre les enfants à l'école à midi et je rentre préparer l'anniversaire de Jason. Ne travaille pas trop. Je t'aime. Je devrais m'habiller avant de descendre.
Doucement, vous allez me faire tomber. Ah, alors, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui que je vais être grand. 10 ans, c'est pas encore tout à fait grand, mais tu t'en rapproches. Je vais pouvoir conduire ta voiture? Je crois qu'il va te falloir encore un peu de patience. Ethan, tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu peux pas rattraper... J'arrive. Ils sont tous excités depuis ce matin. J'arrivais plus à les calmer au supermarché. Et toi, ça va bien? T'as réussi à travailler un peu? Oh, pas vraiment. J'ai essayé, mais je n'arrivais à rien. J'ai intérêt à faire mieux parce qu'on présente le projet aux clients le mois prochain. Oh, j'ai 1 milliard de choses à préparer. Ça sera jamais prêt avant que les copains de Jason arrivent. Tu peux me donner un coup de main? Il doit y avoir des assiettes dans le buffet du salon. Pas de problème, je m'en occupe. Hé, Ethan, je croyais que tu t'occupais des assiettes. Ah, j'avais oublié. Elles sont dans le buffet du salon, c'est ça? Oui, elles n'ont pas bougé depuis tout à l'heure. La porte se coince souvent. Ouvre d'un coup sec. C'est le service que nous a offert ma mère. Fais-y attention, d'accord? T'inquiète pas, je voudrais pas être responsable d'un incident diplomatique avec ta mère. Ethan. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit aujourd'hui, Madame Mars. Mais je vous trouve très séduisante. Vous n'êtes pas mal non plus, Monsieur Mars. Je sais à quoi tu penses, Ethan. Mais c'est vraiment pas le moment. Il faut vraiment que je m'occupe de la fête. On reprendra cette petite discussion ce soir. Jason a l'air content. Ouais. J'ai du mal à croire qu'il ait déjà 10 ans. J'ai l'impression que c'était hier qu'on flirtait tous les deux au lycée. Ça y est, on devient vieux, Ethan. Tu as réussi à trouver le cadeau pour Jason? Ouais. Je suis passée le prendre au magasin tôt ce matin. On a eu de la chance, c'était le dernier modèle en rayon. Les invités de Jason arrivent quand? Oh, vers 2 heures. J'espère arriver à garder la situation sous contrôle. Pas comme l'année dernière. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Non, merci. Je devrais m'en sortir. Thank you.
Ça y est, je suis libre comme l'air. Bon, 5 minutes les garçons, ok? Après, il faut qu'on déjeune, les invités de Jason vont arriver. Ok, promis maman. Qui veut commencer? Moi d'abord! Non, moi d'abord! Moi d'abord. Du calme, on va faire chacun son tour. Moi d'abord! Moi d'abord! Non, moi d'abord! Ok, Sean, tu es prêt? C'est parti! C'est mon tour maintenant! Allez, viens, Jason. On va faire l'hélicoptère. Allez papa, montre-nous comment tu fais. Montre-nous tes gros muscles. Attention, accrochez-vous. Je vais t'embrocher. C'est prêt, les enfants. On vous arrive. Rentrez. Sean, le déjeuner est prêt. Je vais le chercher. Qu'est-ce qui se passe? C'est Merlin. Il est mort. Il est mort et c'est de ma faute. Mais non, Sean, tu n'y es vraiment pour rien. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il vive encore un peu. Tu sais, Sean, certaines choses doivent arriver. Même si on ne veut pas. C'est pas juste, papa. C'est pas juste. Je sais. Je sais. Thank you.
Jason! 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 Jason, tu ne devrais pas t'éloigner, tu sais. Il y a beaucoup de monde. Dis papa, je pourrais en avoir un. J'en voudrais tellement un. S'il te plaît, papa, allez. D'accord, on va acheter un ballon. Super. Hé, hey, mon grand, comment tu t'appelles? Jason. Quel ballon te ferait plaisir, Jason? Le rouge. Le voilà. Ça fait $2, monsieur. Jason, attends-moi. Attends papa à la fin. Il y a vraiment beaucoup de monde. Impossible d'essayer une paire de chaussures avec tout ce monde. Oui, Jason? Il était là il y a une seconde. Je lui ai acheté un ballon. Le temps que je me retourne, il avait disparu. Disparu? Comment ça, disparu? Ne bouge pas d'ici. Je vais le chercher et je reviens. Jason! 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 Vite! Il faut que je descende maintenant, sinon je vais le perdre dans la foule. Jason! Thank you.
Non! Oh mon Dieu! Non!
Bon. Tu veux qu'on parle un peu? Parler de quoi? Je ne sais pas, de toi, de tes copains. Comment ça va? Rien de spécial. Ça te dirait qu'on joue à quelque chose ensemble? Je préfère regarder la télévision. Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu.
Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Non, merci, j'ai pas encore faim. On dirait que tu as attrapé froid. Je vais voir si je trouve un médicament pour te soigner ça. Sean, tu veux faire tes devoirs maintenant? S'il te plaît, papa, je pourrais encore regarder un peu la télé. On les fera plus tard, d'accord? D'accord, je reviendrai te voir un peu plus tard. Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Non, merci, j'ai pas encore faim. Comment ça se passe à l'école? Est-ce que ta maîtresse est sympa? Tout va bien, papa. Sean, tu veux faire tes devoirs maintenant? S'il te plaît, papa, je pourrais encore regarder un peu la télé. On les fera plus tard, d'accord? Il vaut mieux s'y mettre maintenant. Comme ça, ça sera fait. Va chercher ton cartable et installe-toi dans la cuisine. Je vais venir t'aider. Ça y est, j'ai terminé. Je peux aller regarder la télé? Laisse-moi jeter un œil. C'est bien. On dirait que tu as terminé. Tu peux y aller. Papa, pourquoi tu éteins? C'est mon dessin animé préféré, s'il te plaît, rallume. Non, je pense que tu as assez regardé la télévision pour aujourd'hui. S'il te plaît, papa, encore un petit peu. D'accord, d'accord, excuse-moi. Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner? Je veux bien, je commence à avoir très faim. Bon. Je vais voir ce que je peux te préparer. Je t'appelle quand c'est prêt.
Tu peux venir, Sean? Le repas est prêt. J'arrive! Allez, Sean, c'est l'heure d'aller au lit. Je suis pas encore fatiguée. Est-ce que je pourrais rester encore un peu? Bon, d'accord, on va attendre un peu avant d'aller te coucher. On ne le dira pas à ta mère, d'accord?
Allez, Sean, c'est l'heure d'aller au lit. Je suis pas encore fatiguée. Est-ce que je pourrais rester encore un peu? Ça ne serait pas raisonnable, Sean. Tu as école demain. Il faut que tu ailles te coucher. D'accord, j'y vais. Tu viens avec moi? Brosse-toi les dents et mets-toi en pyjama. Et je te rejoins.